Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mercredi au summum, retrouvez Brigitte à 20h avec son troisième album Nu, sorti en novembre. Le duo de Aurélie et Sylvie affronte leurs plus grandes blessures dans des textes sobres et simples. Son premier album, sorti en 2011, Et vous, tu m'aimes, est double disque de platine et une victoire de la musique. Avec plus de 200 concerts en France et dans le monde, le duo envoûte et séduit. Au cinéma, Juliette Berthaud, ne manquez pas Rosemary's Baby de Roman Polanski. Le thriller date de 1968. C'est l'histoire de Guy et de sa femme enceinte Rosemary qui s'installe dans un immeuble new-yorkais vétuste et considéré comme une demeure maléfique. Le festival du film de montagne d'Autrans, c'est parti et c'est jusqu'au 9 décembre. C'est du cinéma pour tous les passionnés de grands espaces. Corps engage, c'est le thème de cette 35e édition. On parle d'engagement des êtres dans les exploits les plus fous où le corps lui-même est en péril. Un milieu qui met le corps face aux limites de la résistance. En route pour l'espace avec la nouvelle exposition Les Mondes Inconnus, explication. Les Mondes Inconnus, c'est une exposition en trois parties, à la Casemate, au Muséum de Grenoble et sur le campus universitaire. Et dans la partie du muséum, on part à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Osugus pour résoudre différentes énigmes dans une mission spatiale. L'exposition de la Casemate, c'est un peu un module d'introduction à la thématique des sciences de l'univers. L'objectif, c'est de donner les prérequis, d'expliquer ce que c'est que le système solaire, où se trouve notre planète dans le système solaire. Les Mondes Inconnus, c'est également tout le côté, la connaissance intime de notre environnement, que ce soit les milieux géologiques, que ce soit la glace, que ce soit l'atmosphère, que ce soit les milieux alpins, pour comprendre le monde d'aujourd'hui et en prédire l'évolution. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.